Ce coup populaire bénin et ONG Miwa Dagbe ont honoré les femmes productrices et transformatrices de l'Oumé Plateau ce mercredi 8 mars 2023 à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Au siège de ce coup populaire bénin César Ranvier, dans la commune d'Adjara, ces groupements de femmes ont reçu des certificats de mérite et d'importants matériels et équipements de travail de ces ONG qui tiennent à les encourager, conscientes de leur importance dans la chaîne de développement. La célébration de la Journée internationale de la femme est un moment de l'année que j'affectionne particulièrement. C'est l'occasion pour moi de passer en revue comment les femmes travaillent pour atteindre les objectifs de développement durable et de vous motiver à continuer dans le processus de l'autonomisation des femmes et des filles qui est ancré dans le programme d'action du gouvernement. Mesdames et messieurs, créé en 2001, ce coup populaire a pour vision d'agir et de soutenir toute action tendant à maintenir les enfants et les femmes dans un environnement protecteur, respectueux de leurs droits et favorable à leur développement. Sa mission est donc de contribuer au renforcement de l'épanouissement et à l'amélioration de la qualité de vie de l'enfant et de la femme. Je voudrais clore mon propos en remerciant nos chers donateurs qui sont vos frères et sœurs béninois. Ici, ce n'est pas un partenaire qui nous a appuyés. C'est nous-mêmes qui avons cotisé. Et je voudrais remercier Secours Populaire Bénin et également l'ONG Miwa Dagbe qui avons cotisé pour que cette activité ait lieu aujourd'hui. Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée internationale de la femme appelle au changement et à la célébration des actes de courage et de détermination des femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire de leur communauté. Cette journée permet également d'examiner l'évolution des conditions des femmes et de réfléchir aux stratégies pour relever les défis liés à la mise en œuvre des ODD, les Objectifs de Développement Durable, surtout l'atteinte de l'ODD 5, qui est de parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. C'est dans ce cadre que l'ONG Secours Populaire Bénin et l'ONG Miwa Dagbe entendent encourager 32 femmes productrices des départements de l'Oumé, du Plateau et des Collines. Bénéficiaires et différentes autorités politico-administratives présentes et représentées ont loué l'initiative. Je vous remercie beaucoup et je remercie l'ONG SPB Secours Populaire du Bénin, la directrice Marie Madame Fagbon, je remercie la présidente Gaba Kamel. Nous crions tout le temps l'État. L'État ne fera jamais tout seul. L'État a besoin des acteurs, en l'occurrence des acteurs non étatiques comme les ONG. Et nous voyons ici un bel exemple de mutualité. C'est ensemble, comme on le dit, que toutes les mains arriveront donc à fermer la jarre trouée. Les ONG Secours Populaire Bénin et Miwa Dagbe sont des associations de développement et d'impact dont nous saluons l'engagement citoyen. Je voudrais rassurer les ONG Secours Populaire Bénin et Miwa Dagbe de l'entière disponibilité et de l'accompagnement du conseil communal. Je voudrais, au nom du préfet du département de l'Oumé, Dr Maria Koutroussou, vous invitez au cours de la présente manifestation que nos réflexions vous permettent d'explorer l'impact de l'écart numérique entre les sexes sur l'élargissement des inégalités économiques et sociales pour pouvoir faire également la lumière sur l'importance de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et de lutter contre la violence sexiste en ligne, facilité par
les tics. Qu'il me soit permis donc de passer par cette voie pour leur renouveler mes mots de sincère gratitude et souhaiter par la même occasion que ces beaux gestes ne s'arrêtent pas en de si bon chemin. Je garde le vif espoir que de beaux jours pointent au firmament et que les années à venir seront encore plus radieuses pour la vie de toute la junte féminine au Bénin et du monde entier. J'ai bien envie vraiment de vous dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses d'abord à l'endroit de l'ONG, d'accord, Secours Populaire, dont je salue vraiment la générosité d'esprit. Parce qu'il faut être généreux pour sortir l'argent de sa poche et dire qu'on veut contribuer à l'évolution, d'accord, des activités des femmes qui se battent dans nos hameaux, qui se battent sans demander quoi que ce soit à l'État. C'est des femmes qui méritent vraiment d'être soutenues. Et pour avoir compris cela, le ministre a demandé que diligemment je puisse venir la représenter ici. Vous savez, le thème de cette année, c'est un monde digital inclusif. Et ce qu'on veut, c'est que les innovations techniques puissent intégrer l'égalité des sexes. Et dans cette dynamique, ces femmes ont été sensibilisées sur l'utilisation du digital pour une meilleure visibilité de leurs activités.